La création de la FFAB, la Fédération Française d'Aïkido et de Budo, qui est une émanation d'un travail d'un grand maître, et Maître Tamouran, qui a voulu développer l'Aïkido en France. Donc son souhait, c'était d'offrir à chacun la possibilité de découvrir cette magnifique discipline. Il a créé, avec certains anciens, la Fédération Française d'Aïkido. Cette Fédération Française est l'émanence de son travail, et pour la structurer, pour la développer, il a formé une élite qui est les cadres techniques nationaux, CEN. Ces cadres techniques nationaux ont reçu un enseignement privilégié pendant plus de 35 ans. 35 ans à côté du maître, en travail, en osmose. Et en même temps, chacun d'entre nous allait sur le territoire pour développer, de manière que tout le monde puisse recevoir l'enseignement du maître. Et en même temps, on fédérait derrière le maître assez régulièrement pour qu'il y ait des grands événements pour dynamiser. Aujourd'hui, le maître a disparu et le message qui a été clairement identifié, qui a été envoyé à ses techniciens, c'est de représenter son école, son travail, qui est le travail de Maître Ushiba, puisqu'il était élève direct de Maître Ushiba, Ushida Ishi. Et donc ce travail-là, il nous l'a transmis, et nous aujourd'hui, nous les cadres techniques, nous sommes vraiment là pour continuer le travail. Et on doit prendre cette responsabilité pour être en permanence en harmonie avec tout un groupe, la fédération et le relais qui nous permet de nous unifier, d'unifier nos clubs et d'avoir un seul message au travers de cette pratique.